Yes. Oh, so he says he's completely sorry. He's late because there was a problem with the metro station. But now he's here and he's going to answer the questions. Gustavo, maybe I should speak in English because I sound better. Bonsoir. Bonsoir. Alors, juste si je veux vous introduire un petit peu. Oui. Ed Stearman, qui est donc à l'honneur cette année au Champs-Élysées Film Festival. Il a débuté, vous avez débuté votre carrière en 88 avec Metropolitan, qui se centre sur une haute bourgeoisie new-yorkaise. Merci. Et ce qui est intéressant dans le cinéma de Ed Stearman, c'est que ça nous montre toujours des communautés bien définies et souvent complexes de la société américaine, que ce soit donc la grande bourgeoisie dans Metropolitan, la fin des années disco, les derniers jours du disco, où là, ce sont des personnages aussi toujours jeunes, et carrément étudiants dans le film que vous allez voir. Alors moi, j'aurais une question d'introduction. Pourquoi est-ce que, tout en vieillissant naturellement, est-ce que vous restez intéressé par ces personnages relativement jeunes? The question is, after presenting Mr. Stearman, I can translate. Okay. Okay, the question was, why as an old man you still make films about young people? And so my first film came out in 1990. And at that time, I was in my 30s, and I found it very convenient to think back in a time when it was sort of hazy memory, and it was sort of more creative to remember a special incident. And that was the film Metropolitan, which will show again tomorrow and in the festival, and which will have its re-release in France July 2nd. So if anyone hasn't seen Metropolitan and would like to, it will be again released July 2nd. Bon, je veux dire que pourquoi je fais des films des jeunes maintenant que je suis très âgé. C'est parce que j'avais une histoire que je voulais raconter, et comme quelqu'un qui fait des comédies romantiques, je pense que il y a les croisées des voies de vie dans la jeunesse. C'est pas vraiment très la jeunesse de les films, parce que c'est un peu entre 35 et 17. Et je pense que pour les comédies romantiques, ça va bien. Et chaque fois que j'ai des âges un peu plus âgés dans le film, les critiques disent pourquoi ce genre déjà mûr sont-ils stupides. Et comme ça, je peux continuer comme la stupidité avec les très jeunes. C'est pour ça. Et juste une deuxième question avant qu'on lance la projection. Le film a pour interprète principale Greta Gerwig, que vous avez certainement vu depuis dans To Run With Love de Woody Allen, et dans, surtout dans le personnage titre d'un film qu'elle a écrit elle-même, qui s'appelle Frances Ha de Noah Baumbach. Pourquoi ce choix d'actrice et comment est-ce que vous avez travaillé avec elle qui, j'ai lu, voulait quelque chose de plus technique en vous rencontrant que ce qu'elle avait fait auparavant? C'est les directeurs des castings qui m'aident beaucoup, parce qu'ils ont dit que c'est un comédien très, très intéressant. Il n'a pas aidé à trouver Chloé Sevigny pour les derniers jours de disco, parce que là-bas, les directeurs de casting avaient un préjugé contre Chloé Sevigny, mais le monteur de mes films Metropolitan et Barcelone, c'était le même monteur pour le film de Chloé Kids. Yeah. C'est lui qui a dit, ah, il faut que tu connaisses Chloé Sevigny. Et j'ai eu une très bonne expérience avec Greta. Et après avoir fait le film, je pense que c'est vraiment mieux un peu tourner sans beaucoup de rehearsal. De répétition. Et quand on était en train de faire les entretiens pour la presse et tout ça, et j'ai trouvé qu'elle préfère tout le contraire. C'est un peu trop tard. Et bon, une chose que je veux dire avant la production, et désolé que c'est tellement tard, c'est que ce film n'est pas comme les autres. Si tu détestes ce film, peut-être tu peux aimer les autres, parce que dans ce cas, c'est pas très réaliste, le film. C'est pas naturaliste, c'est un peu bizarre. Et les autres films sont un peu dans un monde réel et tout ça. Et il y a beaucoup de différence d'opinion. Bon, merci beaucoup pour être venu.